Chakjayiline Banyul kukoto Nyufi chidulia waxat len ko ma waxat dina kan moy cheikh seydou abdou kadir jeyna
Imamul Wara Kutubul Mala Khaila Al-Ala Rikabi Jami'i Al-Awliyai Khadami Ughli Fata'ta'alahu Kullum Bisharf Wa Bil-Gharbi Rikaban Siwa Fardin Fa'ukiba Bil-Arf Malikun Lahu Tatrifu Fil-Kawun Nafizun Bisharf Wa Gharbi Al-Arf Wal-Wa'li Wal-Sahli سراج الهدى شمس على فلك الأولى بجيلة لمبقاها أولى بلا أمر يتمة ضر أعرف له بنت رسوله يفر يفر أنا دي قوصي محمد بونا لبقوة بمجوغيني داي تكدر ساقويا اللبور بقفل داي جباك جبك دي قوة demal da jubal dal di jël ñeneen fukku ci wara jox ko joy ni demal andal ak rabbi sa borom di fen ko fur jubal fukku na ko di sama yaay afiri lillahi muñal suma deme ba ñew di nga xam kon ni degg na sa ndigal mu hu ndayam di ko wax denk na la yalla demal ci li da ko and ak leer gaya dog di ham bëgg jël ci tubulahi bañ na fenul gaya bokku joy su tuttu wala jox ko seeni alal bobu ndongo bes bu maté la mu na ni desu ko bel ci cheikh abdou khadir jeylani de m'exprimer dans la langue de Molière pour vous faire à peu près comprendre qui est Cheikh Abdou Khadir Jeylani. Il y a des hommes dans ce monde dont les œuvres ne seront jamais ensevelies. De ceux-là Cheikh Seydi Abdou Khadir Jeylani, fils de Moussa Diankir Doustar et de Fatima Bintou de la Isou Mahaï, plus connu sous le nom de Oumoul Khair, la mère de la paix. Né en 1077 de l'ère chrétienne, dans la nuit du 14 au 15 du mois de Ramadan. Cette naissance manifestation de la puissance de Dieu et de sa volonté de faire de cet enfant un homme hors du commun. Très tôt, il acquit les rudiments de l'arabe dans son village natal, Nif, au sud de la mer Caspienne. Cheikh Abdou Khadir perdit très tôt son père. Dans sa tendre enfance, il apercevait des êtres surnaturels, aussi cruels que son entourage ne voyait pas. À l'âge de 17 ans, alors qu'il se promenait dans une prairie, un bœuf lui dit distinctement : Ya Sultan al-Awliya, le président des élus du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ta mission n'est pas d'être laboureur. Ta mission n'est pas d'être berger. Troublé, troublé par ce miracle, il s'enfuit sur la terrasse de leur maison, d'où il aperçut non pas le décor familier de sa ville, mais le mont Arafat avec des milliers de pèlerins. À la suite de cet événement, il décida de se rendre à Bagdad pour apprendre le droit islamique et compléter son reste. La mère lui remit 40 dinars qu'elle cousit à l'intérieur de son vêtement, tout en lui donnant comme recommandation de ne jamais mentir au bout de ses quartiers du droit chemin. Sur le chemin de Bagdad, leur caravane fut attaquée par des bandits qui dépouillèrent tout le monde. L'un d'entre eux demanda à Cheikh Abdou Khadir s'il possédait quelque chose.
gardé son secret. Les jeunes hommes fait destiner leur vie. J'avais promis de ne jamais mentir ou de m'écarter du droit de chemin. Les bandits ébahis, ébahis. Quel enseignement. Un musulman, un chrétien, un être humain doit toujours dire la vérité, quelle que soit par ailleurs la situation. Je suis fier d'être Khadr, disciple de Cheikh Abdou Khadr Jilani.